S'inscrire à l'opération Tranquillité Vacances, c'est partir de son domicile l'esprit léger. Chaque année, plus de 75 logements bénéficient d'une surveillance quotidienne par la police municipale. Alors, au niveau de la surveillance des opérations Tranquillité Vacances, nous, on procède simplement sur demande de la personne à la surveillance du bâtiment extérieur. Donc, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effraction, on va veiller à ce que les portes n'ont pas été, ouvertes, qu'il n'y ait pas une intrusion particulière, qu'il n'y ait pas d'anomalie systématique. Si c'est le cas, on contacte la personne qui nous a été donnée en référence. Et au pire, on veille à la sécurisation du bâtiment. Après, la meilleure des protections, je dirais, c'est d'avoir des bonnes relations de voisinage, parce que les premiers à donner l'alerte sont les voisins. L'opération Tranquillité Vacances est un dispositif valable toute l'année à Vingles et c'est gratuit. Pour en profiter en période de vacances scolaires ou pour un départ en week-end prolongé, il suffit de télécharger le formulaire. Il est disponible sur le site vingles.fr à la rubrique « Mairie en ligne ». Retournez ensuite le document en mairie ou directement au poste de la police municipale, résidence Fernand Grenier. Maintenant, on a un fonctionnement en équipe de journée et en équipe de soirée. Donc il y a au moins deux passages qui sont faits. Et de temps à autre, on fait un contrôle plus poussé pendant lequel on va mettre un document en disant que l'on est passé et qu'on n'a rien constaté de particulier, etc. Donc c'est un avis de passage. C'est un justificatif pour les personnes, au moins ça les rassure. Cet été, la police municipale a contrôlé près de 60 logements. Si ce n'est pas une solution infaillible contre les voleurs, aucune habitation inscrite à l'opération Tranquillité Vacances n'a subi de désagrément. Alors pourquoi s'en priver ?